On va revenir à ce que j'appellerais ici, chez Michon, l'appétit limousin. Je pense que c'est très important, l'appétit limousin, chez Michon. Qu'est-ce que c'est l'appétit limousin? C'est la misère de l'homme sans Dieu, mais qui s'accompagne en même temps d'une immense volonté de revanche, d'une immense attente de la grâce, d'un immense appétit, ou d'immenses appétits, puisque cet appétit va s'exercer dans différents domaines. C'est le désir de puissance sociale. Alors, on l'a aussi, ici, un petit peu, peut-être un peu moins que dans d'autres textes. C'est ce que j'appellerais le Michon lecteur de Balzac. Michon aime beaucoup Balzac. Et Michon dit, au fond, Balzac a écrit des livres, certes, pour... parce que la comédie humaine, c'est un grand projet, mais ce qu'il voulait avant tout, c'est coucher avec des duchesses. Et le nom à particule. Alors, au fond, il y a l'appétit limousin, c'est aussi ce qui fait avancer la littérature. Et ce rêve de toute puissance, c'est aussi un rêve de toute puissance sexuelle. Alors, c'est très fort chez Michon. Je pense par exemple à un petit texte extraordinaire qui s'appelle « Le roi du bois ». Et on est presque chez Georges Bataille, dans « Le roi du bois ». On est pratiquement dans ce que Bataille appelle la souveraineté. C'est-à-dire au fond une espèce de disposer des airs. Et du coup, il prend une position aristocratique dans ce texte. Il va parler d'un noble qui peut asservir les catins et les traiter de tous les noms. Au fond, il y a une espèce de... Parce que la sexualité, c'est le rapt et la prédation. Donc on a quitté les jupes de la mer, et là, il s'agit d'une toute autre affaire, et d'une affaire d'ailleurs qui parfois, chez Michon, se termine assez mal, parce que cette position de toute puissance n'est pas tenable. Et quand elle s'exerce au point politique... Parce qu'il y a une réflexion politique chez Michon, ça va donner la terreur aussi. Les hommes, les appétits des hommes de la terreur, on est chez Georges Bataille. Collot d'Herbois, qui est le grand personnage de la deuxième partie du texte, Collot d'Herbois, qui est quand même presque un brave type, à un moment du texte, je vais y revenir, mais c'est plutôt hein, c'est Judas dans la scène républicaine. Hein. Michelet va dire que c'est une scène républicaine, donc Michelet va faire la du Michon. Parce que vous savez que Michelet, bon, la République, d'accord, mais la scène, un peu moins. Bon. Collot d'Herbois, celui qui le portait, il y a le plumet, il y a le fameux plumet des commissaires, comment on les appelle, les chargés de mission, ceux qui vont dans les provinces. C'est Carrier, c'est les gabards, avec les gabards truqués de Carrier qui... D'ailleurs, les gabards, ils sont sur la Loire, déjà. La gabard est dans le texte, déjà dans la première partie. Vous savez qu'il y a un célèbre vers de Baudelaire sur la gabard, dans huit gabards. Et Michon se rappelle de ces vers. C'est dans les sept vieillards de Baudelaire. Collot d'Herbois porte le plumet, il tremblait de vin, de joie et de terreur. Donc on est ici dans une position qui est celle de la souveraineté. Bataille. Et il y a parfois chez Michon aussi dans son rythme, dans sa volonté d'écriture, dans sa scansion, quelque chose qui s'apparente aussi à cette volonté de toute puissance. Je vous lis un petit extrait que je trouve tout à fait intéressant à cet égard. C'est dans Vie de Joseph Roulin, où il est question de Van Gogh. Et là, vous voyez le despotisme de l'auteur. Parce que c'est Michon, son narrateur, qui décide d'écrire sur Roulin et qui dit, bon, je vous lis rapidement le passage, je vais bientôt m'arrêter, c'est un personnage de bien plus profit, Roulin, donc le facteur barbu d'Arles, hein, qui est peint par Van Gogh. C'est un personnage de bien peu de profit quand on se mêle d'écrire sur la peinture. Il me convient, il est exténué et peut-être gai comme la forme, il est vide comme un rythme. La scansion vaine, despotique et sourde qui soutient ce qu'on écrit, l'alimente et l'épuise, je veux ici qu'elle porte son nom. Je veux qu'elle endosse un instant la grande vareuse et la casquette des postes, qu'elle vieillisse à Marseille et se souvienne d'Arles, qu'une barbe lui pousse. Elle apparaîtra en bleu de Prusse, alcoolique et républicaine. Elle n'entendra goutte au tableau, mais par chance, par rapt, vous voyez, on est dans le jansénisme, le rapt, elle deviendra peut-être encore une fois tableau. Elle sera moujique ou barine s'il me chante. Et qu'elle soit tout à fait arbitraire comme d'habitude, mais que peu visible, elle vienne au jour, se manifeste et meurt. Et la page d'avant, Michon parle d'une casuistique sommaire. Il parle de l'alcool, hein, c'est entre le père céleste et la bouteille. Donc on est à la fois, on est dans le jansénisme, mais dans le discours, on est aussi dans les nœuds du discours, on est un petit peu
chez les jésuites, on est dans la casuistique et dans la mantique. Bon. Alors, cette position, la position du roi du bois, elle n'est pas tenable pour Michon. La souveraineté de bataille, ça se casse la figure. Pourquoi ? Je vais y venir rapidement. Parce que c'est la position despotique. Alors, Flaubert, par exemple, c'est aussi le despote de la phrase, il dit « le maître absolu, la mort », parce qu'il y a toujours la mort au bout de la souveraineté de bataille. Bon. Ça fascine Michon. Mais Michon est encore intéressé, c'est peut-être ce qu'il retient de sa sympathie pour Collot d'Herbois, dans sa sympathie pour Collot d'Herbois et pour la Terreur, il y a chez Michon la compassion pour les créatures. Et là, du coup, on est de nouveau dans le christianisme, on est peut-être aussi un peu chez les jésuites, on est dans un monde qui ne peut pas se passer de cette compassion chrétienne. Donc la souveraineté ne peut pas s'exercer jusqu'au bout. Et l'écrivain, c'est peut-être d'ailleurs ce qu'il rachète aussi, même dans ses volontés de toute puissance, qu'il ne rachète pas forcément le politique, l'écrivain ne peut pas être du côté du pouvoir absolu, chez Michon. Il est toujours un manant. Il est un manant qui peut jouer à être un prince, mais il va rester toujours un manant. Parce que l'appétit limousin, dont je vous parlais tout à l'heure, est toujours là. C'est l'appétit limousin qui fonde la littérature, qui fait que Balzac est un garçon sympathique, que Flaubert l'est aussi aux yeux de Michon, puisque vous savez que chez Flaubert, il y a aussi, je ne sais pas si vous prenez un corps simple, il y a aussi un peu de charité chrétienne. C'est aussi ce qui intéresse Michon chez Flaubert.